Extrait de Lettre à toi qui m'aimes de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane 2021. Chapitre 4. C'était le soir de la sixième répétition et nous, c'est-à-dire toi et moi, nous quittions longuement sur le perron de chez Jobs. J'avais la tête sonnante de tes riffs, tes doigts dansaient encore devant mes yeux sur les cordes électriques. Or, chacun le sait, les doigts d'un musicien, c'est extrêmement érotique. On parlait des Pink Floyd, quand bon inculte, tu connaissais à peine, et de notre Syd Barrett à nous, Stone, que tu remplaçais, avantageusement, mais je n'ai pas précisé. Je m'entendais dérouler la conversation qui rebondissait, gaie et facile, comme le premier niveau de Mario Kart que je peux traverser les yeux fermés, et je pensais, est-ce que tu me plais ? Je me voyais avec acuité minaudée, prenant bien soin d'enrouer ma voix de femme fatale, je crachais la fumée de ma cigarette avec une lenteur embrassante. Je sais ce que je fais. Plongeais mes yeux dans la nuit à intervalles réguliers pour te laisser le temps de me regarder. Et pire, je ne cessais de me toucher, pulpe du doigt roulant sur le pli du coude, me serrant langoureusement contre moi, me tenant, me caressant. Ça, je ne le maîtrisais pas. Est-ce que tu me plais ? Est-ce que tu me plais ? J'oscillais entre le yes et le presque quand tu as dit quelque chose, une vanne de gangster à la Scorsese lâchée de ton étrange ton boitillant. Ou bien était-ce ton geste ? Je crois que tes doigts sont venus picorer avec moult hésitation une peluche de mon pull accrochée à mes cheveux. Quelque chose, en tout cas, m'a fait reculer à l'intérieur de moi. Je ne voulais pas de tes doigts sur moi, ça m'est tombé dessus, comme ça. J'ai su, avec une douce certitude, et souris différemment à partir de là. Tu me plaisais, presque, mais pas. À mon contact, en revanche, chaque parcelle de toi chantait.